Cette actualité du jour largement consacrée, dominée par ces célébrations du D-Day le 6 juin 1944. C'était il y a 75 ans, les Alliés débarquaient en toute discrétion sur les plages de Normandie. On vous en parlait depuis ce matin sur les antennes de France 24 et au centre des commémorations de ce jour, le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Voilà la cérémonie officielle donc, qui est en train de s'achever avec le survol des patrouilles. Je vous le disais, dans ce cimetière américain, quelques 9000 soldats américains y reposent. Emmanuel Macron et Donald Trump y ont tous deux présidé une cérémonie d'hommage et de recueillement. Et en retrouvant tout de suite en direct depuis Colville-sur-Mer, donc Karim Hakiki qui suivait cette cérémonie pour nous depuis ce matin. Bonjour Karim, vous êtes sur place. On va d'abord revenir avec vous sur les temps forts de cette cérémonie qui s'achève à l'instant même. Oui, elle s'achève, vous l'entendez peut-être derrière moi, les avions de la patrouille de France ont fait un premier passage. Oui, une cérémonie émouvante, hein, et c'est Donald Trump qui a accueilli le président américain, le président français, Emmanuel Macron. Ils se sont dirigés pour rendre hommage aux vétérans. 5 vétérans ont été décorés de la Légion d'honneur, un moment assez solennel, l'occasion de se remémorer leur acte héroïque le jour du débarquement ici. Ensuite, il y a eu une sonnerie aux morts communes, d'abord la française et ensuite l'américaine. Puis nous avons vu une poignée de main plutôt chaleureuse entre le président Trump et le président Emmanuel Macron. La cérémonie s'est terminée avec les hymnes nationaux, d'abord français et ensuite américains. Les deux présidents qui maintenant vont se retrouver à Caen pour un déjeuner à la préfecture de Caen. Alors, les deux dirigeants qui partagent effectivement un déjeuner, un rendez-vous, un tête-à-tête et un grand rendez-vous. C'est le point diplomatique, si je puis me permettre, de ces cérémonies. Vous avez peut-être déjà quelques informations, Karim, sur les coulisses de ce déjeuner. Absolument, Nabia, vous avez raison, c'est ce rendez-vous diplomatique. On a essayé de scruter les réactions de Donald Trump et ceux d'Emmanuel Macron, car les relations entre les deux États se sont distendues, les relations entre les deux hommes se sont rafraîchies. On se souvient de ce tweet de Donald Trump après les cérémonies du 11 novembre, disant que le président Macron était très impopulaire en France. Alors, du côté de l'Élysée, on nous dit que les relations sont cordiales. D'ailleurs, le président américain l'a rappelé, il y a un niveau d'entente de haut niveau et de qualité entre les deux présidents, entre l'État français et l'État américain. Les deux présidents, je vous le disais, vont se retrouver à la préfecture de Caen pour un déjeuner de 30 minutes en tête-à-tête. Seulement les deux présidents au menu de ce déjeuner. Les questions de sécurité, de terrorisme. Il y aura également au menu de ce déjeuner les problèmes au Moyen-Orient. Et puis ce dossier très épineux, l'Iran. Toute la question est de savoir comment le président français va montrer son désaccord, ou en tout cas signifier son désaccord total avec la politique américaine. On sait également que les délégations, après ce déjeuner de 30 minutes entre les deux présidents, les délégations américaines et françaises vont passer 2 heures à la préfecture de Caen pour justement aplanir les Sherpas, vont aplanir ces dossiers. On sait déjà que le président français n'a pas du tout le même point de vue, notamment sur le dossier iranien. Il y aura également au menu le dossier du G7. Les deux pays doivent préparer un sommet du G7 à Biarritz en France, et les divergences sont plutôt nombreuses. L'occasion, nous dit-on, à l'Élysée d'aplanir justement ces différences entre les deux présidents. Merci beaucoup. Merci.